C'est dimanche soir, c'est Téléclub. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous accueillir pour l'heure de jeu. Une heure pour faire le tour de l'actualité de cette 29e journée. Les buts, les réactions. On va voir tout ça d'ici quelques instants. Mais l'image forte de ce week-end, vous le voyez dernière mois, c'est bien évidemment les supporters bernois qui fêtent la victoire de Young Boys. Les joueurs de Young Boys qui se sont imposés au Let's See Ground aujourd'hui, qui sont encore sur la pelouse. Les milliers de supporters qui ont fait le déplacement pour fêter ce titre consécutif, deuxième titre consécutif pour les joueurs de Young Boys. Nous allons revenir sur ce nouveau titre des jaunes et noirs, mais nous allons aussi parler de Xamax, puisque nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stéphane Anchaud. Bonsoir Stéphane. Merci. Entraîneur de Neuchâtel Xamax, un entraîneur soulagé après la victoire d'hier face à Lucerne. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Bon, c'est clair que c'était un match important, comme tous les matchs, hein, je dois dire, dans notre situation. Après, aller s'imposer à l'extérieur, c'est toujours très, très difficile. Mais c'était une performance solide de toute l'équipe, une solidarité exemplaire. Et je pense qu'avec ça, on est capable d'aller prendre des points partout, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. On l'a encore prouvé hier soir. Maintenant, le chemin, il est encore long. Il reste encore 7 matchs. 21 points en jeu. Mais c'est sûr qu'hier soir, c'était un résultat très, très positif. Oui, un adversaire qui vous convient bien, hein, Lucerne. Vous aviez commencé en tant qu'entraîneur contre Lucerne en gagnant à la Maladière. Puis, avec cette victoire, vous faites un petit peu peur aux autres entraîneurs qui commencent à regarder comment que Xamax font sur eux. On va parler de tout ça. Johan Lonfa, bien évidemment, pour nous accompagner avec moi ici sur ce plateau depuis hier. Des choses à dire sur cette 29e journée. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Et puis, Loïc Refet, pour la rédaction de Téléclub, également avec nous cet après-midi. Et puis, avec nous pour parler tout d'abord de Challenge League. Oui, bonsoir Mathias, bonsoir tout le monde. Effectivement, avec Lausanne qui pouvait profiter du match nul entre Arrow et Winterthur de vendredi soir, Lausanne qui pouvait, en cas de victoire face à Ville, s'offrir un petit coussin de sécurité. 5 points, c'est pas forcément énorme, mais ça pourrait faire la différence pour cette place de barragiste. On va tout de suite voir ce qu'il s'est passé à la Pontaise avec, dès la deuxième minute, Dominguez qui trouve l'ouverture du score après un bon relais avec Oliveira. Il inscrit son 6e but et devient le meilleur buteur de l'équipe. Puis à 7 minutes de la mi-temps, Kukuruzovic est au coup franc et Cameron Puertas va surgir pour inscrire le 2-0. Score final, les Lausannois ont dominé ce FC Ville après être sorti victorieux d'un déplacement compliqué à Rapperswil. Stéphane Anchaud, Lausanne pourrait être barragiste, peut-être face à Xamax. On le saura bien sûr à la fin de la phase régulière du championnat. Alors, après avoir assuré leur assise défensive, Lausanne semble peut-être avoir trouvé un nouveau rythme offensif avec ce printemps. Est-ce que vous allez vous méfier de ces Lausannois? Lausanne, c'est certainement une très très bonne équipe, hein. On est bien d'accord. C'est aussi un contingent de joueurs que Contini a à disposition qui est probablement du niveau Super League. Donc avec Servette, c'est clairement les deux meilleures équipes. Il y a Haro qui aussi a un bon contingent, qui est bien revenu. Maintenant, est-ce qu'ils vont terminer barragiste? J'irai probablement. Servette, clairement, va être promu. Et Lausanne Sport, actuellement, ils ont quand même probablement passé une étape ce week-end avec Arrow qui perd des points, Lausanne qui gagne. Donc bon, pour nous, la place de barragiste, elle n'est pas assurée non plus, hein. Donc à partir de là, c'est clair que Lausanne, si ça devait être Lausanne, comme j'ai dit, c'est une très très bonne équipe. Est-ce que vous avez commencé à peut-être regarder d'un œil un peu plus attentif éventuellement les prestations des Lausannois, commencer à faire un petit peu d'études vidéo ou pas? Ouais, c'est un petit peu trop tôt encore. Même que bon, la Challenge League, c'est un championnat que je suis, hein, qu'on suit. Donc, c'est pas une équipe qui nous est complètement étrangère. On a aussi joué en amical contre eux au mois de juin. Au mois de janvier aussi, hein, un match qu'on avait d'ailleurs perdu 3-0 à la maison. Donc ça nous met en garde sur le potentiel de cette équipe. Hein. Ouais, et puis Lausanne qui est en train de revenir un petit peu aussi sur Servette. On regardait les résultats du jour. Qu'a fait Servette? Mais Servette, match nul 2-2. On va voir les images en fin d'émission. 3-2, alors on me signale effectivement. Il y a eu du changement dans... Ah non, on me confirme ou alors c'est... Est-ce qu'on peut me confirmer qu'il y a bien eu 3-2 et que c'est le tableau qui n'est pas à jour? Alors c'est bien ça, 3-2 donc pour...
pour Servette face à Chiasso. Chafouze qui s'est incliné à domicile face à Rapperswil. Le Lausanne Sport qui s'impose face à Ville 2-0. Et vendredi soir, le match nul entre Arro et Winterthur. Arro 3e et Winterthur 4e. Voilà un résultat qui faisait vraiment les affaires des Lausannois. Et Vaduz s'impose face à Kriens 3-2. Bon, on devrait jeter un coup d'œil sur le classement pour voir que Servette, grâce à cette victoire acquise dans la douleur, Servette qui perdait encore 2-1, compte désormais 61 points, soit 50 pour Lausanne, les deux romans qui font donc la course en tête. Et puis en plus de classement, Chiasso, Chafouze et Rapperswil. On va ouvrir, messieurs, la page Super League. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on va en parler. Avec le match de hier soir, qui a retenu toute l'attention, alors c'est pas que ça max, même si on a bien regardé que ça max, c'était celui qui se jouait au Parc Saint-Jacques entre Bâle et Guetze. Pourquoi? Eh bien parce que les Bernois le suivaient attentivement pour savoir s'ils allaient être champions le samedi soir ou le dimanche. On va revenir sur cette rencontre où Bâle a essayé mais n'a pas pu. Bâle a essayé, n'a pas pu. Effectivement, c'est Guetze aussi qui jouait véritablement son, pas son maintien, bien sûr, mais qui a besoin de points. Guetze qui a changé d'entraîneur avec l'arrivée de d'Ouli Forte sur le banc de son équipe cette semaine. Le Zurichois succède à Stipic qui n'est resté que 5 matchs. On se rend tout de suite à Saint-Gall hier soir avec, dès la 16e minute, un centre de Ravet qui vient depuis la droite et une reprise de Bayrami. Arrêt d'Omlin. C'est Guetze qui se montre dangereux dès l'entame de match, alors que c'était clairement Bâle qui avait la domination et qui tenait le ballon durant les premières minutes. 22e minute, la réponse de Jegrova, il tente de loin pour sa première titularisation, l'international kosovar. Mais Lindner a rude épreuve. Lindner qui a été véritablement excellent. Il a tenu son équipe à deux bouts de bras hier soir. Encore une fois, sur cette tête de Ayeti sur un centre de Okafor, c'est encore Lindner qui est à la parade. 2 minutes plus tard, cette fois-ci, on retrouve Okafor. Mais à la frappe, nouvel arrêt de Lindner, le portier autrichien qui a été exceptionnel. Un grand artisan du titre d'IB, paradoxalement, ce week-end. Une nouvelle fois, une nouvelle tentative. 82e minute, Omlin dégage mal. Bayrami tente le lob. C'est la deuxième action la plus dangereuse de Guetze. Omlin sauvé par sa latte. Et en toute fin de match, les joueurs d'IB ont dû trembler au stade de Suisse en voyant cette action. On est dans les arrêts de jeu. C'est la 94e minute. Okafor va s'arracher sur le couloir gauche pour proposer un excellent centre. Dzoufi est trop court. Stocker qui parvient à contrôler, frapper en pivot. Et c'est une fois de plus Lindner qui sauve la baraque pour Guetze. Ce FC Bâle a tiré 32 fois au but sans trouver la faille. Score nul et vierge qui fait bel et bien le sacre des Bernois et offre un point bienvenu à Guetze pour ce maintien. Stéphane Anchaud, tu es un peu déçu que Bâle n'ait pas gagné. Non pas parce qu'ils ont donné le titre à Youmos, mais ça permet tout de même à Guetze de rester un tout petit peu au contact, même si vous avez mis 7 points entre les deux équipes. Oui, on aurait préféré que Guetze s'incline contre Bâle, hein, c'est clair. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas trop regarder non plus forcément les adversaires, ce qu'ils font. On sait très bien que des points, il faut les faire nous-mêmes. Il faudra aller chercher le maintien en faisant nos performances, en allant chercher les points, indépendamment de ce que fait l'adversaire. À partir de là, oui, ils prennent un point. Ils ont changé aussi d'entraîneur. Ça peut donner une autre dynamique. Tout ça, il faut le prendre en ligne de compte. Mais je le répète, il faut s'occuper de nous-mêmes. Oui, c'est exactement ça. Yann Lonfa, ne pas regarder ce que font les autres. Les comptes, on les fait à la fin. Oui, et pour l'instant, l'équipe de Stéphane réussit parfaitement son train, hein, puisque depuis la prise de possession de Stéphane Anchaud, il y a des victoires qui s'accumulent. Donc je pense qu'ils ne font pas tellement cas des autres résultats. Grasshopper qui reste sur 4 matchs nuls consécutifs. Donc effectivement, ils peuvent tout à coup avoir une sorte de dynamique positive avec la nomination d'Ouli Forte. Alors voilà ce qui s'est passé du côté de Berne au moment où le match s'est terminé à Bâle sur ce match nul 0-0. La réaction de joie des joueurs de Young Boys qui ont tenu un petit campeone et campeone. Des souvenirs de victoire en équipe, vous en avez aussi, Stéphane Anchaud. Je ne sais pas, est-ce que le meilleur, c'est la victoire de la Coupe avec Liverpool? C'est lequel pour vous le meilleur en tant que joueur, hein, le meilleur moment que vous avez vécu qui ressemble à celui-là? Ouais, probablement les titres gagnés avec Liverpool, que ce soit
la Coupe de l'UEFA, que ce soit la Coupe d'Angleterre, c'est des moments qui restent extraordinaires, hein. C'est des moments qui sont exceptionnels, des moments qu'il faut savourer, parce que ça passe vite au bout du compte. C'est énormément de travail pour arriver là. En l'occurrence, là, c'est un titre de champion pour IB. C'est une saison entière de travail. Et puis, le titre, c'est des moments de joie. Mais après, il faut vite se remettre au travail. Donc, pour ça, profiter. Ouais, alors ils se sont très très vite remis au travail, les joueurs de Young Boys, puisqu'ils allaient au Letzigrund Ground aujourd'hui. On entendait le capitaine Stephen Berg dire on va pas là pour en prendre 5, donc on va être sérieux, on va pas trop fêter. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du Letzigrund Ground aujourd'hui? Ouais, effectivement, ils ont tenu leur promesse. IB s'est déplacé avec beaucoup de sérieux. Ils ont clairement mis le pied sur le ballon durant cette première minute. Difficile pour Zurich de réellement exister avec une telle emprise de la part des Jaunes et Noirs. On va tout de suite découvrir la première action de ce match. Paradoxalement, elle est plutôt à l'avantage des Zurichois avec une perte de balle très basse et une frappe de Karabadze. Premier arrêt de Von Balmos. Von Balmos qui ne va pas réellement être inquiété du reste durant cette première mi-temps. Ensuite, on va passer à la demi-heure de jeu avec une action, je dirais, pleine de, peut-être de, avec un manque de vigilance, on pourrait dire, des Zurichois. Von Balmos à la balle, long ballon directement pour Assalé qui part à la limite du hors-jeu. On va le voir sur l'action suivante. Il est peut-être même clairement, il semble peut-être même hors-jeu, avoir l'angle est compliqué, mais il semble avoir quand même 50 cm d'avance. Il réussit le crochet intérieur sur Brecher. Assalé qui n'est pas en réussite actuellement, il ne parvient pas à aller accrocher ce but, lui qui n'a pas marqué depuis 8 matchs. 34e minute, N'Gamale va distiller une pépite de passe pour Fastnacht. Le contrôle en porte-manteau est absolument parfait. Mais la reprise file loin dans les étoiles. Fastnacht qui paye peut-être les folies de cette nuit dans le dernier geste à voir. On ne le saura pas. En tout cas, c'était rare de voir IB faire preuve d'un manque de réalisme comme celui-ci. On passe à la deuxième mi-temps, 62e minute. Nsamé qui déborde, centre pour Oharo. On se gêne un peu avec Camara également. On voit la bonne déviation de Guillaume Oharo. Nsamé rentre en jeu lors de la deuxième mi-temps. Le passement de jambe, le centre. Et Oharo qui ouvre trop son pied. Et le ballon qui file sur la droite de la cage de Brecher. 73e minute, Benito. Centre, il y a du monde à la réception. Et c'est Camara qui reprend. Peut-être qu'il y avait la place pour la laisser passer à Oharo. Johan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu gêné là du côté des Bernois? Oui, certainement. On a voulu peut-être trop faire, conclure l'affaire trop vite. C'est vrai qu'il y a un manque de réussite du côté Bernois pendant les trois quarts du match. Mais finalement, ils ont quand même réussi à passer les pots de manière assez logique. 6 minutes plus tard, une action litigieuse avec Cizé qui tombe dans les 16 mètres. L'action se poursuit, long ballon sur Oharo. La déviation plein axe pour Nsamé. Ça fait mouche IB qui inscrit l'ouverture du score à la 79e minute. Est-ce que pour vous, Stéphane Auchon, en tant que défenseur, est-ce qu'il y a faute, il n'y a pas faute? Il y a quand même un petit contact. Après, appréciation de l'arbitre, c'est un pénalty qu'on aurait peut-être pu siffler. En tout cas, Nsamé ne se trompe pas. 12e but de la saison pour l'international camerounais qui a été rappelé en sélection il n'y a pas et pas très longtemps. 25e victoire également de la saison pour Ribé. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait vu à ce point-là une équipe écraser la domination? Est-ce que IB n'a pas tout simplement profité pour tous ses records d'un FC Bâle qui n'était pas présent en début de saison? Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir deux années de suite un tel écart. On aurait pu s'imaginer que cette année, Bâle arrive un peu à combler le retard qu'il a eu l'année passée. Le début de championnat, clairement, IB est reparti exactement sur le même rythme qu'ils ont fini. Donc, ils n'ont eu aucune baisse de régime. Bâle n'a pas réussi à revenir au niveau qu'il espérait ou qu'on aurait pu attendre. Ce qui fait que l'écart, en fait, s'est toujours créé de plus en plus. Même si au deuxième tour, j'ai l'impression quand même que Bâle est meilleur qu'il a été au premier. Mm-hmm. Je pense que si on avait eu un Bâle du deuxième tour
Dès le début du championnat, on n'aurait pas un écart maintenant et un IB déjà champion. Donc Bâle, je les trouve meilleurs au deuxième tour. Mais clairement, IB survole toutes les autres équipes de ce championnat. Il y a vraiment un championnat. On a IB, Bâle dans une certaine mesure. Et puis après, ben, on le voit aussi au classement. On a un petit peu l'impression actuellement que toutes les équipes peuvent battre tout le monde et que les positions sont très très serrées. Alors on va avoir les interviews, les réactions des joueurs bernois dès que possible. On espérait pouvoir vous les proposer, mais maintenant, ils sont encore sur la pelouse, ils fêtent encore avec leurs supporters, ce qui est totalement compréhensible. Pas de souci, puisqu'on vous a sur ce plateau, Stéphane Anchaud. On va parler de l'autre match de hier soir, de Xamax, de votre club. Vous avez joué, vous avez gagné à Lucerne. On va revoir tranquillement avec vous ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images de hier soir. Juste les highlights. Donc. Juste les highlights. Alors, on va rentrer à la 37e avec une action pour Lucerne et l'homme en forme de Lucerne qui marquait ces derniers temps et qui, fort heureusement pour vous, n'a pas trouvé la faille hier. C'est Eleke, le Nigérian, là, qui tente de mettre le ballon entre le poteau et Valère. Très bon arrêt de votre gardien. Oui, tout à fait. Laurent Valter qui est en excellente forme. Qui est sûr, qui donne de l'assurance à toute l'équipe, qui commet vraiment peu d'erreurs. Donc, un élément très, très important pour nous. Et puis, il va y avoir deux actions de Pouloulou. Johan Lonfa qui amène sa percussion et qui a failli marquer ici avec un excellent arrêt de Dibou. Oui, Pouloulou qui en manque de réussite sur les deux derniers matchs, mais il se crée des occasions. Et pour un attaquant, c'est vraiment primordial. Il avait loupé deux occasions aussi au match précédent. Et là, il n'était pas en réussite, mais enfin, il crée le danger. Vocha qui tente sa chance pour les Lucernois. Là encore, on passe tout près de l'ouverture du score pour Lucerne. Et puis il va y avoir en fin de match ces deux occasions avec Nuzzolo, encore une fois, qui protège très très bien son ballon. Il n'arrive pas à conclure sur la frappe enchaînée qui suit nouvel arrêt de Tibong. Et puis la 80e minute avec Nuzzolo qui fait tout juste, qui a un peu de chance sur sa passe, qui trouve Ademi que vous aviez mis en remplacement de Pouloulou. Coaching gagnant pour vous, la rentrée d'Ademi, vous l'aviez senti, Stéphane Anchaud? Senti. On va dire qu'on avait une option avec Ademi, Pouloulou, qui avait fait un très très bon match jusqu'à présent, mais qui était un petit peu émoussé. Après, c'est toujours la même chose. Hein. On fait rentrer un joueur, il marque, on parle de coaching gagnant, il ne marque pas, c'est le contraire. Donc non, voilà, il était là au bon moment, mais l'action aussi très bien amenée, avec Cambert hein, aussi, qui donne un très bon ballon après Raphaël, qui fait un bon appel dans le dos des défenseurs, qui fait presque tout juste puisqu'il lobe le gardien. Un petit peu de réussite hein, parce qu'elle tape la latte et elle revient en jeu pour Ademi. Mais je pense que c'est la réussite qu'on n'a pas eue contre Saint-Gall, puisque contre Saint-Gall, on a aussi eu des ballons sur la barre transversale qui ne sont pas rentrés. Donc l'un dans l'autre, en l'espace d'une semaine, ça s'équilibre. Oui, à croire que vous avez écouté Johan Lonfa hier sur le plateau, c'est exactement ce qu'il disait. Comment vous expliquez qu'une équipe comme Lucerne vous convienne à ce point, c'est-à-dire que vous faites les points, vous gagnez en ouverture de championnat, vous gagnez quand c'est vous qui reprenez l'équipe, vous gagnez hier soir, alors que quand vous jouez contre Saint-Gall, qui manifestement n'est pas intrinsèquement tellement meilleur que Lucerne, eh bien là, ça ne marche jamais, vous avez perdu à chaque fois contre Saint-Gall. C'est vraiment ça, c'est ces adversaires dont le jeu convient moins. C'est difficile à expliquer. J'ai plutôt l'impression que c'est un concours de circonstances plutôt qu'un adversaire, un système de jeu et des joueurs qui ne nous conviendraient pas. Chaque match, il a une histoire particulière, dans un contexte particulier, un moment de la saison aussi particulier. On se souvient que c'était l'ouverture du championnat à Lucerne. Encore un peu l'euphorie, je pense, de la promotion. Lucerne qui ne s'attendait peut-être pas à avoir un adversaire, on va dire, aussi bien préparé ce jour-là. On va jouer là-bas, l'équipe s'impose. Après, de nouveau, ils reviennent chez nous au changement d'entraîneur. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un petit effet. Donc si ça avait été Saint-Gall ce jour-là qui venait à la place de Lucerne, peut-être ça aurait fonctionné. Ça aurait été Saint-Gall qui aurait été battu. Et puis là, hier soir, Lucerne, je pense qu'ils sont aussi dans une dynamique moins favorable puisqu'ils étaient, je crois, sur 4 matchs et 2 points. 3 matchs en 6 jours.
On a aussi, je pense, bénéficié de cet effet-là. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut expliquer que contre Lucerne, ça fonctionne. Et Saint-Gall, malheureusement pas. Oui, un petit calendrier difficile, hein, aussi avec des heures de match compliquées. Ils se sont plaints d'ailleurs, les Lucernois. Quand vous avez repris l'équipe justement contre Lucerne, quand ça n'allait plus du tout, moi ce que j'aimerais savoir, et c'est ce que tout le monde s'est demandé, peut-être vous allez nous le dire ce soir, qu'est-ce que vous avez dit? Quels sont les premiers mots que vous avez dit en arrivant dans le vestiaire quand vous avez réuni les joueurs? Surtout de... Alors personnellement, c'est que j'étais convaincu que l'équipe avait les moyens de rester en Super League. Ça, c'était les premiers mots. Okay. Donc, après, c'est toujours des paroles et des mots. L'essentiel, c'était de transmettre ça et que les joueurs, je pense, y croivent également. Le grand problème qu'on avait, c'est que l'équipe n'avait pas gagné depuis très longtemps. En foot, on sait très bien que la confiance, c'est ce qui fait à la fin toute la différence. Une équipe qui ne gagne plus à un certain moment depuis aussi longtemps, elle se pose la question, est-ce qu'on est capable de gagner un match de foot ? Hein, et chaque match, quand on rentre sur le terrain, quand ça commence à tourner pas dans le bon sens, on se dit, ben non, on n'est pas capable de gagner, on n'y arrive pas. Donc je pense que c'était ça le plus important, c'était que les joueurs retrouvent cette confiance. Et puis après, ça s'est enchaîné avec cette victoire. On a vu sur les images du but de Kamel Ademi, il se retourne, il vient directement vous sauter dans les bras sur le bord de touche. On imagine qu'il y a quand même une relation spéciale avec ces joueurs. Comment est-ce que vous voyez cette fin de saison où finalement on sait tous que vous ne serez pas en poste à la reprise? Bon, après, c'est clair que ça, c'est un épisode dans la vie d'un club au bout du compte. Donc voilà. C'est le club qui a décidé de prendre d'autres options, de partir sur un autre chemin. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus, c'est simplement la vie d'un club de foot. Les joueurs, c'est pareil pour eux. Au bout du compte, il y a pas mal de joueurs qui n'ont plus de contrat chez nous. Donc probablement aussi une partie de ces joueurs qui ne seront plus là en fin de saison. Mais le but commun, il reste. Qu'on soit là, moi personnellement, ou les joueurs, c'est le jour où on part, au début de juin, fin mai, on verra quand ça va être, c'est de pouvoir laisser le club là où on l'a pris, en Super League. Après, ben, nos chemins ils vont se séparer, et puis la vie va continuer. J'espère que les joueurs qui n'ont plus de contrat à Neuchâtel vont retrouver un contrat, peut-être même dans un meilleur club, dans une meilleure ligue. Ça, c'est eux qui peuvent le décider quand ils jouent encore pour Xamax, quand ils ont la chance d'évoluer. On a retenu une image hier soir avec Johan Lonfa. Je ne suis pas le seul à avoir décidé de vous la montrer. C'est une image de vous sur le banc de touche. Regardez, sur une action où vous n'êtes manifestement pas satisfait, vous vivez le match à 100%, vous êtes complètement investi. C'est pour ça qu'on a choisi cette image avec Johan. Est-ce dire que vous avez totalement accepté la décision du club sur laquelle vous ne voulez pas forcément revenir, qui vous permet de vous investir comme ça? Vous êtes à 100% et vous serez à 100% jusqu'au bout de la saison? Non, alors ça c'est clair que moi, comme j'ai dit, je reste ou je ne reste pas. L'essentiel c'est que le club se maintienne. Donc à partir de là, moi si je reste en poste, c'est parce que j'étais convaincu dès le début que l'équipe pouvait se maintenir. J'en suis encore plus convaincu maintenant, hein. ça n'a pas changé. Et à partir de là, moi, simplement, ben, je vis le match. Je le vis. C'est-à-dire que je ne suis pas sur le terrain, mais c'est comme si j'y étais. C'est comme certaines fois, si je pouvais aider les joueurs. Là, cette action, je m'en souviens très bien, hein, c'était une prise de décision sur un coup franc pour nous au milieu du terrain, où au bout du compte, on joue vers l'arrière au lieu de jouer vers l'avant. Ce qui nous a mis en difficulté. Donc j'ai l'impression que si j'étais joueur, moi, j'aurais réagi à la même chose. Ça veut dire que j'aurais dit, la prochaine fois, on joue vers l'avant dans notre situation, on ne commence pas à revenir jusqu'à Laurent derrière et perdre 50 mètres. À votre arrivée, vous aviez remis le vouvoiement à l'ordre dans le vestiaire à Neuchâtel-Xamax, mais on voit... Une proximité avec les joueurs. Des fois, on aurait envie de se dire, ben voilà, il y a presque plus des histoires d'hommes qui ont l'air de se lier entre vous. Où est-ce que vous placez le curseur entre la proximité et puis justement la distance qu'il faut peut-être pour être entraîneur, c'est avoir cette distance hiérarchique? Bon, je pense que quand j'ai repris l'équipe, j'étais qu'un adjoint depuis, enfin dans le club, en tout cas adjoint depuis presque 3 ans.
Tous les joueurs, je les connaissais, certains depuis plus de 3 ans. D'autres, au minimum, depuis 9 mois, pour ceux qui, les quelques-uns qui étaient arrivés au mois de juin. Et c'est clair que le rôle d'adjoint est différent du rôle d'entraîneur principal. Donc, tous ces joueurs-là, je les connaissais. Personnellement, la plupart, on se tutoyait. Ça dépend, les plus jeunes, mais moi, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas le tutoiement qui va faire qu'on perd ou on gagne le respect. Hein. Mmh. Donc, à partir de là, ben, c'est vrai que pour moi, ben, les joueurs que je connais depuis longtemps, on a quand même une histoire en commun. J'aimerais vous entendre, Johan, sur le travail de Stéphane Anchaud. Vous le connaissez bien. Vous avez été collègue en équipe nationale. Votre jugement sur ce qu'il a mis en place, sur la confiance qu'il a réussi à redonner, même à certains joueurs, hein, on pense à Martin Heus par exemple. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai que tout le monde l'a vu lors de la prise de possession de Stéphane Anchaud. Il y avait, Xamax comptait 4 points de retard sur Guetze, aujourd'hui il en a 7 d'avance, donc c'est clair que les résultats parlent d'eux-mêmes, et en plus de ça, au niveau du terrain, ben, on voit qu'il y a des principes de rigueur, de discipline, des principes défensifs, mais pas que, de principes aussi de jeu vers l'avant, de jeu rapide, qui ont été mis en place et qui sont avérés payants. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose de positif qui est là. On sent aussi une équipe investie, non seulement l'entraîneur, mais toute l'équipe tire vraiment à la même corde, même après l'annonce justement de la non-reconduction de Stéphane. Donc là, on voit que finalement, il y a un destin commun à cette équipe. Donc on voit tout ça, et puis c'est clair que ça se ressent sur le terrain. Et puis l'état d'esprit, c'est quelque chose de très positif. C'est que par l'état d'esprit, et puis ces éléments-là, que Neuchâtel va s'en sortir. Et aujourd'hui, bah oui, c'est vrai que pour nous, observateurs, c'était un peu surprenant de voir cette non-reconduction de ton contrat. On ne va peut-être pas revenir dessus, mais enfin, c'est un élément important au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la perspective et du chemin de Neuchâtel-Xamax pour les années à venir. Maintenant, il y a un autre chemin qui a été pris. Mais en tout cas, ouais, je relève ce parcours et ce travail. Ça paye, ça continue de payer, et puis j'espère que ça va payer pour la suite. Stéphane Anchaud, une question très rapide, parce qu'on va partir du côté du Letzigrund. On vous a proposé un poste dans l'encadrement de Xamax, du nouveau projet. Vous avez envie d'y réfléchir, ou pour vous, la priorité, c'est d'entraîner ? Dans un premier temps, moi, j'ai du plaisir à être sur le terrain. Donc, si je me pose la question, je me suis posé, qu'est-ce que tu as envie de faire, d'être sur le terrain. Donc, en répondant à cette question, ben, je réponds à la vôtre. Très bien, merci beaucoup pour votre franchise. On va retourner du côté du Letzigrund, parce que là, on a une interview qui nous arrive avec plusieurs joueurs autour de Jérôme Créta. On me dit que c'est collector et on va découvrir ça ensemble. Je suis en bonne compagnie avec ni plus ni moins que le capitaine des Young Boys, le buteur qui se les caille des Young Boys et le meilleur latéral du championnat, on va dire ça comme ça. On va commencer quand même avec Steve, semaine un petit peu spéciale pour vous, avec cette annonce de retraite et puis le titre derrière. Oui, magnifique semaine. Décision que j'ai prise il y a déjà une dizaine de jours et aujourd'hui, enfin depuis hier soir, champion, on a vu ça en équipe, de belles émotions depuis hier soir et je crois que c'est pas terminé. Kevin, deuxième titre consécutif, s'il y en a un à choisir, c'est quoi le meilleur, le premier ou c'est celui qu'on fête maintenant ? C'est vrai que celui de l'année passée était vraiment spécial parce que c'était après 32 ans, donc les émotions elles sont différentes. Mais c'est vrai qu'hier soir, ça s'est bien passé, on était tous ensemble, comme une famille, on s'est bien éclaté. Guillaume, pour vous, c'est pas le deuxième titre, il y en a eu plus. Ils ont une saveur particulière quand même, ces titres qui se rapprochent gentiment de vos derniers titres au final. c'est magnifique quand on voit les supporters, quand on voit le sourire sur le visage des gens. C'est juste, on fait ce métier pour ça, donc les titres, à la fin, c'est ce qu'on retient. Et là, on en a enchaîné deux, donc que des bons moments. Et on va savourer parce qu'il reste encore quelques belles semelles devant nous. Et puis, jusqu'à la fin, on ne va pas lâcher le vieux. Est-ce qu'il y a tout de même une petite amertume, même si on l'oublie peut-être avec ce titre, dû à cette élimination de la Coupe, qui aurait pu vous donner le premier doublé de l'histoire du club ? Non, on retient qu'on a joué la Champions League, je crois que c'est pas mal non plus. Hein. On a perdu une seule fois dans le championnat. Cette année, 3 matchs nuls, 25 victoires. Faut pas non plus être trop gourmand, on n'est pas Barça. On a fait, je pense, une immense saison. Et on est très très fiers de cette saison-là. Et je crois que maintenant, on n'est pas Paris non plus. Je crois qu'on doit simplement savourer ces semaines qui sont devant nous, rentrer sur le terrain, ces 7 matchs-là et prendre un grand plaisir à encore jouer tous ensemble.
En parlant de gourmandise, il y a encore quelques records à battre. Le nombre de points, et ils appartiennent tous à Bâle en plus. Hein. Le nombre de points, le nombre de buts marqués, le nombre de buts concédés, c'est important ça? Oui, c'est quelque chose qu'on garde aussi dans nos têtes, parce que c'est aussi pour garder un peu cette motivation, pour pas avoir trop de relâchement. Et voilà, c'est quelque chose qu'on parle dans le vestiaire et qu'on a envie de faire aussi. Le programme de la soirée, Guillaume, on connaît vos talents de chanteur. Est-ce que vous allez les mettre à contribution ce soir avant de perdre votre voix à cause d'une éventuelle bronchopneumonie? J'ai déjà plus de voix, donc pas de voix, pas de chanson. Pas de palais. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est un super moment. Merci. Hop, IB. On va. Et maintenant, on va aller prendre une douche. Merci pour votre soutien, on vous aime. Allez, merci les gars, fêtez bien. Voilà, on imagine que la fête n'est pas encore tout à fait terminée pour les Bernois. Le showman Guillaume Haro, comme toujours, qui sera encore du côté du Young Boys l'année prochaine, contrairement à Stephen Bergen et fort probablement à Kevin Babou. Ça fait plaisir, ils sont transit froid, mais ils restent professionnels jusqu'au bout, ils viennent répondre aux interviews. Sacré pote tout de même, on a l'impression, ces joueurs à Young Boys. Oui, on a l'impression qu'il y a vraiment une osmose hein, entre eux, entre le public et les joueurs aussi. Vous me direz, c'est plus facile quand on gagne, hein, d'avoir une bonne ambiance d'équipe. Mais il y a quelque chose qui s'est construit, c'est pas construit du jour au lendemain, hein. C'est une équipe qui s'est construite dans la longueur. Alors là, maintenant, se pose la question de la transition, puisque forcément qu'il y a des joueurs qui se sont mis en évidence et qui vont être appelés par des clubs plus huppés, c'est normal, c'est aussi le lot des clubs suisses de faire éclore des talents. Je pense à Mbabou, je pense à Djibril Sow. Et d'autres, donc forcément qu'il y aura peut-être une transition à faire du côté d'IB, mais je pense qu'IB, avec sa structure aussi, s'y prépare. On va parler maintenant de l'autre club bernois, Thun, qui recevait aujourd'hui Saint-Gall. Loïc, pas passé grand-chose. Oui, exactement. Pas grand-chose à se mettre sous la dent à l'Hostock en Arena. On va débuter tout de suite avec une première frappe de Basile Stillhart sur une passe de Schwitzer. Schwitzer qui retrouve son numéro 10 thunois. La frappe est compliquée avec ce rebond juste devant Stojanovic, mais le portier de Saint-Gall qui est vigilant dès l'entame de match. Ensuite, on passe à la 36e minute avec un but qui sera finalement annulé. Déboulé de Efti depuis la droite. Kuteza qui lutte pour parvenir à talonner ce ballon pour finalement le proposer à Efti qui marque au hors-jeu. But annulé tout à fait de manière légitime et logique. On en reste donc à 0-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps verra plutôt les Saint-Gallois reprendre la domination de cette partie qui était plutôt dominée par les Thunois, par les Bernois lors des 45 premières minutes, même si Thun peine à réellement mettre de la vitesse dans son jeu et se montrer dangereux. Saint-Gall avec Luchinger en débordement, frappe du gauche et Guillaume Fèvre très vigilant au premier poteau. Stéphane Anchaud, quand on a plutôt géré la partie comme ce fut le match pour le FC Thun, c'est important de rester très très vigilant pour le gardien et en l'occurrence pour Guillaume Fèvre. Oui, c'est vrai que surtout contre des attaquants, que Saint-Gall a des attaquants très très rapides dans la transition. Transition rapide, en l'occurrence ce n'était pas un attaquant cette fois-ci, mais Kablan qui était monté, le latéral gauche, superbe passe, et Kablan qui parvient à contrer mais perd son duel face à Stojanovic, 0-0. Score final, Thun qui n'a plus gagné depuis 8 matchs, ce n'est pas le FC Thun que l'on a connu lors de la première partie de saison. Alors, pas de but entre Thun et Saint-Gall, une bonne décision arbitrale. Vous le savez, on va parler un petit peu de la VAR. Vous la connaissez, la VAR, l'assistance arbitrage vidéo, elle est adoubée par certains, elle est décriée par d'autres. En Suisse, les arbitres auront recours à la VAR dès l'année prochaine en Super League. Alors, on se prépare dimanche dernier. Eh bien, des tests grandeur nature ont eu lieu à Thun. C'est un sujet de la rédaction suisse alémanique que vous avez adapté, Loïc refait. Un corps arbitre à Lausaguet, 6 caméras, une équipe TV au complet. Dimanche à la Stockhorn Arena, 18 matchs de 40 minutes se sont enchaînés pour permettre aux arbitres de se former à la VAR. Die grössten Herausforderungen sind im Prinzip zwei Parameter. Das eine ist die technische Beurteilung von Szenen. Also ist es technisch gesehen rot, ist es technisch gesehen Offside. Und die zweite Komponente ist die Anwendung dann in der Kommunikation. Also wie kommuniziere ich mit dem Schiedsrichter, kommunizieren, mit dem Techniker und eben gerade Bilder dort aufbearbeiten und meinem Assistenten, meinem Assistant Video Referee. Das ist eigentlich so die zwei Punkte, die wir heute üben.
La VAR n'intervient qu'en cas d'erreur manifeste sur un but, un pénalty, une exclusion ou une erreur sur l'identité d'un joueur. L'arbitre central reste le patron. Das letzte sagen hat immer der Schiedsrichter. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der VAR hat nur die Möglichkeit, dem Schiedsrichter ein Review zu empfehlen. Und wird dann die Situation beschreiben. Das heißt, so beschreiben, dass dem Schiedsrichter klar ist, wie persönlich das gesehen hat, wie der VAR das gesehen hat. Der Schiedsrichter kann seine Wahrnehmung dann dem gegenüberstellen. Und wenn trotzdem zu der Auffassung gelangt, dass ihm ein klarer, offensichtlicher Fehler unterlaufen ist, dann wird seine Entscheidung korrigieren. Si dimanche les images étaient analysées dans un petit bus, le futur centre névralgique sera installé à Volkertsville, dans la banlieue zurichoise. Coût du projet, 3 millions partagés entre l'ASF et la Ligue, pas de goal line technologie, jugée trop coûteuse. Schlussendlich ist es das, was wir zur Verfügung haben. Die Spiele in der Schweiz werden mit 6 Kameras gefilmt, mit dem wir mit dem arbeiten. Ich bin der Meinung, dass viel mehr Kameras nicht zwingend größere Hilfe sind. Im Gegenteil, es kann mehr verwirren. Wenn ich sehe, in anderen Ligen, wo teilweise 20 Kameras zur Anwendung kommen, gibt es ebenfalls verwirrende Entscheidungen. Und schlussendlich muss ich sagen, wenn die Voraussetzung klar und offensichtlich falsch muss gegeben sein und ich 19 Kameras brauche und sage, es ist noch nicht klar und erst bei der 20. wird es dann vielleicht klar, ob dann wirklich noch von klar und offensichtlich geredet werden kann, bezweifle ich mal. Stéphane Anchaud, l'introduction de la VAR, non Super League, vous en pensez quoi? Je pense que c'est bien. Après, il faut l'utiliser le plus, on va dire, bénéfiquement possible. Mais ça va réduire quand même le nombre d'erreurs. Alors, l'erreur où il n'y a plus du tout, je pense qu'il y aura toujours sujet à discussion, mais ça va quand même, certaines décisions injustes, on va quand même arriver à réduire ces erreurs-là. Après, l'utilisation, il faut faire attention. On l'a encore vu cette semaine, j'ai trouvé, par exemple, en Champions League, les arbitres ont été regardés des fois à la VAR pour des fautes de main. C'était pour moi ridicule de stopper le jeu 2-3 minutes pour voir une faute de main qui était carrément, oui, ça touche le ballon, mais on voit bien qu'il n'y a aucune volonté, c'est pas la peine d'arrêter le jeu. Donc il faudra trouver juste, on va dire, le bon moment pour l'utiliser. Et pas qu'on tombe dans le ridicule. Ouais, on pensait au bon sens lorsqu'on utilise la technologie. On va passer à l'autre rencontre de la journée qui nous a intéressés. C'est la rencontre entre Lugano et Sion. Une partie où on va rentrer en première mi-temps à la 18e avec une première action un petit peu bizarre de Lugano. Ça vient sur le côté Sadiku. Et puis Ndoye qui remplaçait Kwasi, qui a bien failli tromper Finkenscher, Johan. Oui, c'est une déviation malencontreuse de Ndoye. Heureusement que Finkenscher était très attentif. 38e minute, Carlinhos Junior qui a quasiment un penalty. C'est rare de voir le Brésilien manquer ce genre de choses. Oui, surtout qu'il a vraiment tout le but devant lui. Et puis, c'est vrai que son plat du pied, malheureusement, n'est pas cadré. Il suffisait de le cadrer pour que ce soit but. Fin de rencontre, première mi-temps, pardon. Il va y avoir deux frappes de la part des joueurs du FC Sion, de Thomas tout d'abord, et puis ensuite de Kazami. C'est un petit peu un aveu de faiblesse de la part du FC Sion de ne pas trouver des solutions dans le jeu et d'essayer de marquer de loin. Oui, c'était une rencontre qui s'est beaucoup jouée par une bataille du milieu de terrain, deux équipes assez regroupées, donc les solutions sont venues souvent par des tirs lointains. En l'occurrence, Sion peut compter sur des bons tireurs, hein, entre Legnani, Kazami, Adrian aussi, donc ils sont mis en évidence, mais les portiers cette journée ont été très performants. 0-0 à la mi-temps, on se dit que c'est à peu près juste de chaque côté. Ça va se décanter en seconde période et on va rentrer là à la 49e minute de jeu avec Lavanchy qui va se trouver dans une position vraiment favorable. Le crochet est juste et derrière, eh ben, il manque pas grand-chose. Ah, il avait tout fait juste, Lavanchy. Oublié au deuxième poteau, le crochet, il se met sur son pied gauche et là, il ouvre trop son pied et le ballon file à côté. Et tout va se décanter sur un fait de jeu avec une glissade de Kesqués qui va profiter à Adrian. Adrian qui est rentré en cours de jeu parce que Morgado ne pouvait plus poursuivre. Coup de poker gagnant pour Mouratia Akin en introduisant le Brésilien qui là s'en va tranquillement battre Da Costa. Pas de chance pour Lugano.
pas de chance, mais bon, c'est une erreur quand même assez flagrante du défenseur. Est-ce qu'il était bien cramponné? Mais enfin, là, ça se paye cash sur le coup. Et puis Carlinhos qui va se faire pardonner ce qu'il a manqué en première mi-temps avec une frappe dont il a le secret. Là, il ne doit rien à personne, ce but de Carlinhos. Fikkelcher ne peut absolument rien faire. Non, je pense que c'est vraiment un but qui est dû à la qualité de frappe de Carlinhos. Il a vraiment cette puissance. Hein, il se loge dans le petit filet opposé. Moi, je pense vraiment que Fikkelcher ne pouvait pas faire grand-chose en l'occurrence. Et Fikkelcher, il va faire des miracles en fin de partie. Tout d'abord à la 82e minute avec Guerrenta qui dont le ballon échoue sur Maceras et non pas sur Fikkelcher. Ça sera juste après l'arrêt de Fikkelcher sur Guerrenta. Guerrenta qui a vraiment eu l'occasion à deux reprises de tuer le match. Maceras sur la ligne et puis sur cette contre-attaque rondement menée, contre-attaque dont les Tessinois ont le secret. Guerrenta qui va trouver la main très ferme de Fikkelcher. Sion qui sauve véritablement les meubles. Oui, parce que la fin de match a appartenu totalement aux Luganais. Est-ce que c'est la maladresse des attaquants? Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est quand même plutôt un bel arrêt réflexe de Fikkelcher qui bouche l'angle. Néanmoins, ils ont frisé le code hein, sur la fin de match, les Sédunois. Ils ont frisé le code, mais depuis la défaite à la Maladière, Sion va mieux. Là, la fessée que vous leur avez donnée leur a fait du bien. Oui, ça aura peut-être permis de se remettre en question, hein, de se faire battre par le dernier au classement à l'époque et d'une façon, on va dire, plus ou moins assez nette. Donc, c'est vrai que là, ils sont sur une bonne série pour eux. Vous pensez quoi de ce FC Sion ? FC Sion, c'est quand même une équipe qui devrait, à mon avis, finir, si je prends, comme j'ai dit avant, IB et Bâle. C'est clairement une des équipes qui doit finir dans la 3e ou 4e place. Quand on voit le contingent qu'ils ont, les joueurs à disposition qu'ils ont, ils ont quand même d'excellents joueurs hein, individuellement. Donc, si on compare les contingents de cette Super League, pour moi, ils doivent finir dans les 3-4 premiers indiscutablement. Avec ce FC Sion qui a trouvé une stabilité tactique, hein, et Mourad Yakin qui n'hésite plus à reconduire les mêmes joueurs, Ulrikis hein, par exemple à la pointe. Vous allez aller jouer le FC Sion à la 34e journée là-bas à Tourbillon. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être plus de risques de voir ce FC Sion avoir un certain roulement et une certaine stabilité? Ça ne va pas être encore plus compliqué d'aller les jouer là-bas? Oui, ça va être un des matchs très très difficiles. Bon, après, je crois que pour nous, ils sont tous difficiles. Il y en a certains peut-être un peu plus que d'autres. Le prochain contre IB à la maison, bon, on sait que là, voilà, c'est IB. À Tourbillon, contre Sion, contre une équipe qui fonctionne bien maintenant depuis cette défaite. Ça sera aussi un match très très difficile. Mais bon, malgré tout, on le sait, il reste 7 matchs. Des points, il faut en prendre. Qu'on joue à la maison, à l'extérieur, ben on a montré qu'on était capable de prendre des points partout. Et il va falloir continuer. C'est une bataille qui va aller jusqu'au bout. Et des points, pourquoi pas en prendre, que ce soit contre IB ou à Tourbillon dans quelques semaines. On a pris des points, un plus particulièrement au Tessin aujourd'hui. On écoute la réaction de Kevin Fikkelcher. Kevin Fikkelcher, c'était une partie acharnée. Est-ce que vous repartez heureux avec un point ? Oui, des fois, il faut savoir se satisfaire de ce match nul. Je pense que vu la fin de match, on va dire qu'on est satisfait, on laisse Lugano derrière, c'est bien. Fin de match où vous avez énormément souffert, coup de mou physique ou qu'est-ce qu'il s'est passé? Non, Lugano a joué aussi crânement sa chance. Il voulait aussi les 3 points comme nous et à la fin, c'était un peu débridé. Et voilà, on n'a peut-être pas su rester la tête froide à certains moments. On a pris un petit peu des comptes qu'on n'aurait pas dû prendre. Et voilà, ça fait des actions un peu comme ça. Mais c'est le foot, il y a des actions. Donc voilà, maintenant c'est bien, ils n'ont pas marqué. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit « enfin, je vais peut-être fêter une rencontre sans encaisser en déplacement cette saison » Non, moi, je ne pense pas à ça. Je préfère prendre des goals et prendre les 3 points. Ça ne m'intéresse pas, mon cas personnel. Maintenant, l'équipe a bien défendu, on a fait un bon match. On est satisfait de ce point parce qu'à la fin, il y avait une équipe de Lugano qui nous appréciait aussi. Des Sédunois satisfaits, qu'en est-il des Tessinois? On écoute Fabio Celestini. Fabio Celestini, côté Valaisan, on prend avec plaisir ce point. Est-ce que côté Tessinois, on prend avec le même plaisir ce point? Un peu moins parce que je crois qu'en première mi-temps, on a fait vraiment une bonne première mi-temps. On a vu des occasions
Et on a vu aussi des mouvements vraiment, vraiment, vraiment très intéressants. On n'a quasiment pas souffert à part une frappe de Kazami de plus de 30 mètres. Donc l'équipe a fait une première mi-temps vraiment très intéressante où on aurait dû, je crois, en tout cas avec le ballon, des fois gérer un peu mieux vu qu'on gagnait vraiment tous les deuxièmes ballons, de pouvoir repartir avec Guerne, Junior et Sadiku. Mais malgré ça, on s'est créé des occasions pour, je crois, aller à la fin de la première mi-temps sur le 1-0. Après la deuxième mi-temps, on a un petit peu souffert sur les 20-25 premières minutes. Pas tellement sur les occasions de but, mais sur le jeu. Même si on avait changé un peu de système après le premier changement. On a eu la réaction quand même, on a offert un but. Donc ce match-là, à la fin, on aurait pu le perdre. Là, l'équipe a eu une grande réaction. Et après, il n'y a eu plus qu'une équipe sur le terrain sur les 10 dernières minutes. Et on s'est créé quand même 2-3 grosses occasions pour gagner. Mais vraiment, en ce moment, la victoire nous fuit un peu, mais c'est vrai aussi qu'on ne perd pas. Donc ça veut dire que l'équipe, quand elle ne peut pas gagner, elle fait match nul. Donc c'est vraiment intéressant. La moralité, c'est que Lugano ne perd effectivement plus depuis un certain temps. On jette un coup d'œil, on fait un wrap-up de tous les résultats, Loïc. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Allez, on se plonge tout de suite dans le tableau des résultats de ce week-end avec la victoire de Neuchâtel Xamax 1-0 à Lucerne, le match nul entre Bâle et Guetze, Lugano Sion 1 partout, la victoire d'Ibé qui a assuré malgré une nuit de fête face au FC Zurich et le match nul 0-0 entre le FC Thun et le FC Saint-Gall. Seulement 4 buts dans cette journée, c'est un record pour la Super League. Et bien sûr, au niveau du classement, ce sacre tellement précoce de Young Boys, également un record. D'ici la 29e journée, ça ne s'était pas vu depuis la réforme de la Ligue avec 78 points. Ensuite, le FC Bâle qui semble avoir assuré sa deuxième place. On retrouve Thun, Sion, Saint-Gall et Lugano qui vont, et Zurich également, qui vont lutter pour ces places européennes, tout comme Lucerne et en queue de peloton Neuchâtel Xamax, barragiste pour l'instant, mais qui revient bien. Et bien sûr, Guetze. Un coup d'œil sur la prochaine journée avec Sion qui recevra Bâle, Lugano Zurich, Guetze jouera chez lui contre Thun et Saint-Gall également contre Lucerne. Et puis Neuchâtel Xamax va recevoir le nouveau champion, à savoir Young Boys. Il va y avoir Young Boys le premier, puis après il va y avoir Guetze le dernier. Est-ce que vous allez jouer les deux matchs de la même manière? Une question. Non, ben c'est sûr que eBay, comme je l'ai dit avant, hein, c'est un calibre au-dessus. Malgré tout, on ne part pas battu d'avance, hein, entendons-nous bien. Mais on doit se rendre compte que le lundi de Pâques, c'est eBay, et que je crois que c'est le samedi déjà, Guetze. Donc, on doit réfléchir aussi aux options qu'on a. On sait aussi qu'on a pas mal de joueurs suspendu ou sous la menace d'une suspension. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit prendre en ligne de compte, je dirais, pour préparer ces deux matchs. Prendre tous les paramètres en ligne de compte. Et puis la maladière sera pleine pour recevoir le champion. C'est aussi sympa d'avoir une petite fête du football du côté de Neuchâtel. On passe encore à Servette parce qu'on avait dit qu'on allait vous montrer les buts. On va les voir. Exactement. Chose promise, chose due. Alors on va tout de suite filer du côté du stade de Genève avec l'ouverture du score. Elle est pour Chiasso suite à ce cafouillage défensif. C'est Padula qui peut ouvrir le score dès la 5e minute. Servette qui est peut-être dans une petite phase de décompression. Hein. Servette qui restait sur un match nul face à Ville. Mais bien sûr, il y aura une réponse de la part des Genevois. Et c'est Iapichino qui va marquer de la tête. Lui qui avait marqué un superbe but dès son premier match avec Servette. Lui qui est arrivé durant l'hiver. Iapichino qui permet d'égaliser. Ensuite, c'est à nouveau Chiasso qui va prendre l'avantage. 45e minute, frappe à 20 mètres environ. Et c'est Gomez qui donne l'avantage à Chiasso. Chiasso qui lutte contre la relégation. Alors forcément, on célèbre ça avec les supporters. Et ensuite, l'inévitable Coroncone va sévir deux fois. Une première fois pour égaliser à la 70e minute. Coroncone vraiment un des hommes très très fort, la très bonne pioche hein, des Grenats durant cette saison. Et puis à un quart d'heure, à 5 minutes du terme, qu'on reconnaît malgré le petit gabarit, permet à son équipe de prendre les devants 3-2 grâce à ce but de la tête, Johan Lonfa. Après le nul face à Ville, Servette a quand même eu des difficultés face à Chiasso. Hein. Ils étaient fait piéger également à la reprise à Chiasso. Est-ce que
maintenant que c'est avant, cette première place est gentiment assurée, est-ce qu'on risque pas de lever un tout petit peu le pied, mais de manière inconsciente du côté Grenat ? Je pense pas, je pense qu'ils sont pas encore promus, hein. Mathématiquement, il y a encore des points à aller chercher. C'est vrai que maintenant, voilà, tous les matchs sont délicats, toutes les équipes veulent venir aussi au stade de Genève pour grappiller des points, pour montrer ce dont elles sont capables. Et puis je remarque quand même que Servette arrive au fil du match à gagner sur la fin de match, un peu comme IB gagne dans les derniers arrêts de jeu. Ils ont un peu la baraka du leader actuellement, mais ils ont quand même aussi des joueurs très importants et très intéressants, notamment ce Servette se montre audacieux, ne déroge pas à ses principes et ça finit très souvent par passer. Ouais, cette fameuse confiance hein, dont vous nous parliez en début d'émission. On a confiance aussi, nous, et parfois on ne devrait pas, à ceux qui nous préparent cette fameuse rubrique qu'on adore, What the Foot. Mesdames, messieurs, bienvenue à la Maladière de Neuchâtel. Il m'a semblé entreapercevoir sur notre première image des drapeaux à l'effigie de Grasshopper. J'étais en train de me poser la question si je ne m'étais pas trompé de stade, mesdames et messieurs, mais non. Nous sommes au bon endroit. C'est ça, vous êtes au bon endroit. Pour voir les meilleurs moments de la semaine. Décidément, ça devient un gimmick du côté de Zurich. Depuis l'histoire Cololi à Chypre, les joueurs font un blocage avec les barrières derrière les buts. Cissé devra encore s'entraîner pour le 3000 mètres stipulé. La polémique de la semaine, les pénaltys en Champions League. Et c'est un Stéphane Anchaud remonté qui a réagi aux mains trop souvent sanctionnées dans la surface. On peut pas, on reste sur nos jambes, on met les bras dans le dos, comme on voit certaines fois maintenant des défenseurs qui vont contrer des ballons sur le côté et qui jouent avec les bras dans le dos, on dirait des pingouins qui sont en train de jouer. Et là vous vous dites, mais des pingouins, ça peut pas jouer au foot. Et pourtant si. Merci, le Japon. Merci aussi à Laurent Gorgera. Voilà, apparemment, Doudin va se retrouver avec une protection rouge d'abord, vous l'avez vu, comme premier pansement, si j'ose dire. Puis après, on met du blanc. Hein. On parle bien de pansement et pas de vin. On enchaîne. Hé les gars, on n'a pas un truc pour évacuer l'eau, là? Ouais, bougez pas, j'ai quelque chose. J'arrive. Alors on sait, c'est pas du foot, mais on n'a pas pu s'en empêcher. C'était What the Rugby, et à la semaine prochaine. On pourrait penser à Alain Chabat pour mettre un peu d'ambiance. Sébastien Chaval pour mettre un peu d'ambiance à la Maladière. Ah, je crois qu'il y en aura pas mal. Hein. Je crois que le stade sera plein. Donc, bon, malheureusement, enfin, pour nous, plus de Bernois probablement. Hein. Mais c'est pas grave, le stade plein, c'est pas souvent qu'il y a ça à la Maladière. Donc, on va essayer de leur gâcher la fête ce jour-là. On a encore une question à vous poser, Stéphane Anchaud. Vous avez dit, moi, ce que j'ai envie, c'est le terrain, c'est d'entraîner, c'est de vivre les moments comme on vous a vu les vivre sur les images qu'on a montrées. Votre ambition en tant qu'entraîneur, vos envies, en tous les cas, c'est quoi ? C'est la Super League ? C'est éventuellement l'étranger, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? J'ai pas forcément pensé aussi loin. Je veux dire, tout est allé quand même relativement vite. Hein. En février, je reprends ce poste de adjoint à principal, plus ou moins du jour au lendemain. Là, maintenant, il y a encore 5 ou 6 semaines avant la fin du championnat, où, ben, comme j'ai dit avant, hein, c'est une lutte qui va aller jusqu'au bout. Donc, on est encore loin d'avoir rempli la mission, on va dire. Après, ben, on verra ce qu'il advient, c'est clair. Ben, comme j'ai dit avant, continuer à entraîner, c'est le terrain que j'aime. Le foot, de toute façon, c'est une passion. Je ne prends même pas comme un travail, en fait, parce que j'aime ça. Donc,
C'est toujours, quand on a fait quelque chose, c'est d'essayer de le faire le mieux possible, et puis on verra bien où ça nous mène. Ouais, c'est la patte des passionnés en général. On jette encore un coup d'œil sur le tableau sélection à venir de ce que vous allez pouvoir voir sur Téléclub. Ce soir, le studio Frosinone Calcio contre Inter Milan, un peu de championnat de France, également de la NHL, et puis bien évidemment la Ligue des Champions qui revient dès la semaine prochaine. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Loïc Refait de nous avoir accompagnés, de m'avoir corrigé sur Sébastien Chabal et non pas C'est pas le même profil. C'est pas le même profil, c'est pas la même carrure entre rugbyman et un humoriste. Ça marche bien en termes d'entertainment. Merci Johan Lonfa d'avoir passé ce week-end en notre compagnie. À bientôt, à vous aussi. Et puis on vous souhaite tout le meilleur. Merci d'être venu nous voir, Stéphane Anchaud. Bonne suite et bonne mission maintien à Xamax. On croise les doigts. Merci à vous de nous avoir suivi. Merci aux équipes techniques. Une très, très belle fin de soirée. Et à vous toutes et tous à venir. Le studio, donc, du championnat d'Italie. Restez connectés sur Téléclub. À tout bientôt. Bye bye.